The President, please be seated. The court is now in session. Nous reprenons l'audience. Before we begin our proceedings for this afternoon session, and before giving the floor to the civil party lawyers for Group 3, the Chamber would like to remind lawyers Hello. The President continues that the Chamber would like to remind the civil party and also the lawyers et à leurs avocats. We have noted the closing statements of the civil party lawyers, which have strayed beyond the facts and legal matters which are supposed to be included in the closing statement. The trial chamber has already issued a decision. A déjà rendu une décision. And any decision of the trial chamber is not an object for the closing statements of the civil parties, and we would like to remind the lawyers for the other two civil party lawyers to be mindful of this. The chamber would not wish to interrupt amid the oral statement of any civil party lawyer. So if such situation happens, like what it happened this morning, then the trial chamber will interrupt such statement because it is not relevant to such closing statement as we expect. We would like now to give the floor to civil party lawyers group 3 to present their case. Pour qu'ils présentent leur conclusion finale. The lawyers have the same amount of time as the times allocated to civil party lawyers group 1 and group 2. You have 1 hour and 15 minutes. Pour faire vos observations. You may now proceed. Je vous en prie. Counsel Mojsvanari, Mr. President, Your Honours, I am Mojsvanari, the National Co-Counsel for Civil Party Group 3. Before we start our closing statement, I would like to seek the permission from the President to allow my co-counsel, Mr. Philippe Cannon, to proceed with the closing statement, and I will touch upon the reparations part. The President, your request is granted, and Mr. Co-counsel, you may now proceed. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, mon nom est donc Philippe Cannon. Mojsvanari vous l'a dit, j'interviens au nom de l'équipe d'Avocats sans frontières France et je représenterai le groupe 3 des partis. Je remercie votre cour, Monsieur le Président, d'avoir accepté que nous plaidions à trois avocats. Nous nous partagerons le temps qui nous est imparti à part égale. Mon intervention portera sur l'état d'esprit des victimes, leurs motivations, leurs attentes. Maître Jacquin vous parlera de la
personnalité des address you on the character of the victims. Elle vous donnera leur identité, will tell you about their identities, leur profil, their profiles, leur histoire. And their stories. Moch Sovanari vous dira les modes de réparation auxquels nous avons pensé et peut-être les façons de les mettre en œuvre. Je salue respectueusement votre cours, Monsieur le Président, ainsi que le ministère public. Je salue confraternellement les contradicteurs. Et c'est avec évidemment une grande émotion que je penserai tout au long de mon discours aux parties civiles victimes. Nous avons fait notre travail d'avocat inlassablement. Ce fut une tâche immense de réunir les victimes et surtout de définir leurs attentes. Le statut de partie civile qui leur est conféré dans le cadre d'un procès pénal international est une innovation majeure. Et nous pouvons intervenir à cet instant parce que nous avons été aidés par les ONG, par les instances internationales, par les autorités cambodgiennes, les pouvoirs publics et les juges. L'instruction de ce procès a été longue et minutieuse. Votre juridiction a mesuré la portée des événements aujourd'hui dénoncés et poursuivis. Elle est à même de prendre sa décision. Alors, quel est notre rôle ? Nous ne dirons rien sur le plan pénal. Nous nous y sommes engagés. C'est d'ailleurs le rôle des coprocureurs. Nous nous placerons sur le terrain civil, celui de la responsabilité encourue et du dommage subi. Nous avons, Monsieur le Président, une grande prétention, celle d'aider votre cour à élaborer un procès équitable. Les avocats sont des auxiliaires de justice. Ce ne sont pas des obstacles, encore moins des ennemis. La position et le discours des victimes aujourd'hui sont le résultat d'un long processus de maturation. Il ne faut pas se leurrer, les premières réactions instinctives des victimes que nous avons reçues consistaient à nous dire « Il faudrait infliger à Dutch les mêmes traitements que ceux que nous avons subis. Il faut laisser s'exprimer cette première réaction. Il faut avoir le courage de l'entendre. Mais il faut la dépasser. Alors viendra la justice et non la sauvagerie. Au crime contre l'humanité, nous voulons répondre par un discours d'humanité. Monsieur l'accusé, j'ai écouté ou lu attentivement presque toutes vos déclarations. Le temps m'est compté. Je citerai, sans trahir,
et sans ajouter un seul mot les plus significatifs. Vous nous avez dit, je suis méticuleux, je fais les choses bien, sinon je ne les fais pas. L'objectif était d'atteindre la cruauté. Nous avons formé les gens à devenir membres de la Ligue des Jeunes pour faire tout ce qu'on leur ordonnait. Nous leur avons appris à tuer. C'est moi qui étais responsable de l'éducation. J'ai enseigné les méthodes d'interrogatoire. Le parti avait confiance en moi. Mes propres responsabilités étaient les suivantes. Obtenir des aveux. Préparer les rapports sur la base des aveux. Annoter les aveux. Dispenser l'éducation pour savoir interroger et frapper. Obtenir des aveux, c'était mon devoir. Parlant de ceux qui n'entraient pas dans votre idéologie, vous avez dit ce sont des vers dans notre chair qu'il faut déloger. Les supérieurs avaient confiance en moi, pas dans les autres. J'ai commis toutes sortes de crimes graves. Personne n'en a commis plus que moi. J'arrêterai là mes citations avec une dernière phrase. Vous avez, M. Dutch, présenté vos excuses à votre peuple. Le 9 avril, vous avez souhaité, je vous cite, que justice soit rendue pour le peuple cambodgien qui a survécu à ce régime horrible. Alors je m'interroge, votre repentance est-elle sincère? Vous avez pleuré lors d'une reconstitution. Pleurer, c'est un début de repentance. Exprimer des excuses, c'est un début de compréhension et de responsabilisation. Aller au bout du procès, là est le vrai courage. Et dois-je rappeler, monsieur, qu'au cours de la procédure, vous avez pourtant demandé votre mise en liberté. You, however, applied to be released. Regardez, to look, entendre, to hear, voir to see, ceux que l'on a fait torturer, c'est sortir d'une instrumentalisation. To cease, to consider people as c'est redonner objects. Aux victimes it means that leur the victims dignité. Are allowed to regain their dignity. Alors regardez-les, Duc. Regardez ces hommes et look ces femmes these men and women que vous avez voulu écraser. Et dont vous avez écrasé les parents, les conjoints, spouses, les enfants. Or children you smashed. On peut écraser you des insectes, smash insects, des animaux. Animals. On ne peut pas écraser you des êtres smash humains. Human beings. Parce qu'un Because jour, one day, ils se relèvent they will rise again. D'une manière ou d'une autre. One way or the other. Eux. Ou leurs successeurs pour venir demander will come demand des comptes. A reckoning. Vous avez été imprégné fortement de culture bouddhiste. In Buddhist culture. Vous êtes devenu chrétien. You became Christian. Dans ces deux in spiritualités, M. Dutch, l'âme humaine Duke, est immortelle the human soul is immortal, si le corps ne l'est pas. Even if the body is not. L'homme human renaît are reborn en permanence on a permanent basis et indéfiniment and indefinitely parce qu'il a une pensée, they are able to think, des émotions, they are able to feel, une souffrance, they are able to suffer, il est même capable and de pardonner. They are even able to forgive.
Parce que son regard au-delà de la mort est là pour vous juger depuis la nuit des temps. Peut-être vos victimes vous accorderont-elles leur pardon à l'issue de ce procès, peut-être. Mais vous n'imaginez pas combien ces personnes sont en recherche. Elles sont évidemment avant tout en souffrance. Mais elles cherchent. Elles cherchent à comprendre pourquoi un homme, pas plus mauvais qu'un autre, peut mettre en place une telle barbarie. Comment une personnalité, somme toute ordinaire, peut être à la fois respectable et effroyable? Pourquoi l'irruption brutale dans leur vie d'un régime totalitaire a jeté des milliers, des millions d'entre eux, sur les chemins de l'exil et sur les voies de la mort. Monsieur François Bizot, que nous avons entendu comme grand témoin en avril dernier, nous a appris que ce serait sans doute une erreur de ne voir en vous qu'un monstre froid, que l'on pourrait juger isolément, définitivement, en réglant le problème une fois pour toutes. Nous savons que cela n'est pas simple. Vos défenseurs nous diront comment ils entendent graduer votre responsabilité. Ils le feront avec conscience, c'est la noblesse de leur tâche, et nous les entendrons. Mais ces gens, partis civils, these civil parties, simples, these simple, modestes, démunis, poor, peu instruits, barely educated, ou au contraire cultivés, installés dans la vie, mènent tous le même combat. Are fighting the same fight. C'est un combat universel. It is a universal fight. Être là, to be here, répéter to repeat inlassablement les termes de la loi pour rester debout, pour ne pas sombrer dans l'animalité, pour continuer d'être des hommes et des femmes, c'est-à-dire ceux qui ne détruisent pas volontairement, sciemment, délibérément leurs semblables au nom d'une idéologie. On les a déshumanisés, les traiter aujourd'hui avec mépris serait une nouvelle déshumanisation. Comme tout le monde, je lis la presse, je lis dans une certaine presse que les partis civils ont fait preuve de désorganisation durant ce procès. C'est vrai. It is true. Maître Karim Khan vous a rappelé ce matin que c'est une nouveauté dans la procédure pénale internationale. Nous inaugurons un nouveau système. A new system here. Il n'est pas facile de fédérer. Il est certes plus facile de critiquer. Much easier to criticize. Quoi qu'il en soit, est-ce vraiment l'heure really d'accabler ceux pour qui ce procès a été voulu? Est-ce vraiment le message qu'il convient de faire passer, de transmettre à ceux qui recrutent de fatigue ou de désespoir, interpellés par des questions qui souvent dépassent, viennent ici chercher la justice? Je veux lire dans ce genre de propos une simple volonté d'améliorer le système. Une autre démarche serait affligeante.
Je vois se développer depuis quelque temps une thèse qui me surprend. Il faudrait, nous dit-on désormais, que ces victimes, for these victims, à qui l'on a permis d'être entendues, mais à un moment donné, at a specific point in bien délimitées dans le procès, in a specific, clearly bound point retourne the proceedings, it would be necessary for them to revert to silence now. Elles deviendraient ainsi they des sortes d'icônes, icons of a kind, respectables, intouchables, respectable, untouchable, sans voix, but voiceless. Faut-il should we les enterrer de nouveau? Bury them again? Faut-il les cacher? Should we hide them? Que la défense le veuille whether ou non, cela ne not, sera plus this jamais will never again be possible. Si l'on ne veut if pas subir l'histoire, il faut essayer de la comprendre. History, one must seek to understand les parties civiles l'ont fait. Have done so. Elles veulent aller plus they loin. Wish to go further. Elles n'ont aucune they feel no hatred, aucun désir no de desire vengeance. For vengeance. Elles n'ont que de la détresse. They only feel distress. Mais c'est avec elles but it is with them que se reconstruira l'histoire. History will be reconstructed. Rien nothing ne sera plus will comme ever avant. Be jamais. The same again, never. Ces gens these people sont devenus have become des veilleurs vigilant attentifs. Watchers. Chaque each fois time que l'on voudra faire taire will be made un homme to silence a man or a woman, ou une femme, c'est un nouveau doute qui ressurgira. Les victimes ont appris à identifier la souffrance. Elles ont appris they en qualité de partie civile que la réparation pouvait exister. Can exist. On a parlé, Monsieur le Président, à votre cours beaucoup de réparation. Much has been made about notre the groupe modes of reparation. Vous en parlera our encore. Group will expand on this. J'adhère I abide par principe in principle à tout by everything ce qui that est has suggéré, been suggested soumis à votre cours à ce titre. To this court in j'ai this regard. Participé I participated à la réflexion in the common mais effort to this end, but je vous livre un sentiment personnel. I wish to share a personal feeling. Appréciez-le comme il se doit. You may judge it as you wish. La plus belle des réparations, the most valuable reparation c'est sans doute is la présence probably ici their des participants. Very presence here. C'est la reconnaissance de leurs droits, the acknowledgement c'est of their rights, la solidarité their solidarity et c'est l'ouverture and the opening à d'autres lendemains. Up of new vistas. Cette juridiction que nous avons tous fait vivre to whose creation we have all contributed avec ferveur with fervor et humanité, and humanity, parfois avec maladresse, clumsily, préfigure très certainement ce que seront les futures juridictions pénales internationales courts, et dessine and un nouveau modèle de mixité. For hybrid courts. J'entends par là what I mean by this, compétence nationale national, affirmée, confirmed national jurisdiction prioritaire, as a priority, mais but composition also internationale, an international composition, création progressive d'une unité des victimes progressive d'égale valeur of a à celle du Bureau de la Défense, of equal importance and value to the avec defense, une aide véritable, which provides matérielle, real material, psychologique and psychological pour toutes les victimes d'exactions. To all of the victims of atrocities. J'ai donc un espoir véritable true hope et la présence and the presence de of, Moch Tsovanari, Moch Tsovanari à nos côtés en est le symbole. Is a symbol. Elle est cambodgienne. She is Cambodian. Elle a 25 ans. She is 25 years old. Elle a le courage d'être présente to take à ce procès in this difficult trial. Elle représente l'élan de cette jeunesse que je rencontre depuis trois ans en dispensant de la formation aux juristes et aux avocats cambodgiens, formation qui a reçu l'appui et un accueil chaleureux
and which received du royaume du Cambodge et de son bâtonnier en association of the Kingdom of Cambodia and its chairman. Ce this pauvre pays, country, disait François Bizot, said François Bizot, parlant du Cambodge, when he was speaking about Cambodia. Ce this magnifique magnificent pays, country, I would say, instead, dans la mobilisation as I see, autour des valeurs de progrès et de liberté, the people are standing behind the values of progress and of liberty. N'écrasons plus Let us jamais, never smash jamais anyone again. Personne. Never, never again. La réconciliation est le mot clé. Is the key message. Elle est le moyen nécessaire d'une reconstruction. We must take in this task of reconstruction. Mais le mot ne suffit pas. But the word is not enough. La réconciliation devait passer par ce procès. Should pass through this trial. Elle doit it désormais must, prendre avec now, elle le sort des parties civiles. Take along with it the fate of the civil parties. Un gigantesque chantier s'ouvre we are facing a whole pour trouver new immense task le juste processus. To find de réconciliation. The fair and just process of reconciliation. Au début de votre audition, Monsieur Duque, vous nous avez récité un poème. Questioning, Mr. Duque, you recited a poem in French. Je vous redonne cette and phrase, I cette will, strophe. Quote, this J'ai mis again, weeping, pleurer, or praying. Prier est également All lâche. Is in vain. Fais énergiquement ta tâche là où ta voix a voulu t'appeler et meurs sans rien dire so comme complaint. Et vous avez brandi and, ce poème. You stood up ce texte, M. Douche, vous l'avez extrait d'un poème bien connu des Français d'Alfred de Vigny qui s'appelle La mort du loup. Vous rendez-vous and compte do you understand, do you realize que vous en avez retenu ce qu'il a de plus dangereux, what is most dangerous in this poem, de plus what is mortifère, most morbid, parce qu'il ne laisse aucune place no à l'homme. Chance to humankind. Vous en avez extrait ce qui correspond à votre what façon to de voir la vie. Way of perceiving life. C'est-à-dire que l'homme that is to say that est un loup. Humankind, pour l'homme, man is a man, is a wolf for man. Vous rendez-vous compte? Do you understand? Qu'à l'heure où l'on vous juge now, pour crime contre l'humanité, vous humanity, citez les poètes romantiques. Quoting the romantic poets? C'est inquiétant, monsieur. This is very, very worrisome. Parce que de deux choses l'une. There are two possibilities here. Soit either vous pensez you qu'il faut mourir sans rien dire that you have to en die accomplissant without saying son destin anything while fulfilling your task in life. Et je me demande and alors I'm où est votre repentance myself, where is your contrition in this case? Soit depuis or, le début since the start, vous nous endormez volontairement deliberately to put us asleep autour de ce de cet extrait de poème, excerpt, et je me demande encore, pardon, où est votre repentance. Where is your contrition, I'm sorry to say. En tout cas, vous in rendez-vous case, compte que il y a là that there is here un décalage a complete historical discrepancy, des plus étonnants. Which is the most surprising. L'on n'est pas, monsieur, dans un procès d'élégance. We are not here in a trial dealing with elegance. On n'est pas dans un we salon littéraire. Not here in a literary discussion. Je vous parle des 12 000 morts de Toulseng. People who died at Toulseng. Certains disent some 16 000. 16,000 even. Où est le so, romantisme? Where is the romanticism in this? Pour ce qui nous concerne, and as far as we are concerned, et si nous restons and sur ces références we philosophiques, would like to continue sticking to this philosophical nous considérons, monsieur, references, que vous êtes, we consider, nous considérons sir, we consider que vous êtes devenu that you have become un loup, a wolf pour l'homme, a wolf for mankind, a wolf for man. Mais nous ne voulons pas and la mort du loup. We do not wish the death of the wolf.
Je citerai un autre texte. J'en terminerai, Monsieur le Président, par là, dans 2 minutes. Cet autre texte, je le trouve plus intéressant, monsieur. Je le trouve beaucoup plus noble. Il est le préambule de la Constitution de votre pays. Avant de rédiger la Constitution, ses auteurs disent la chose suivante, nous, peuple Khmer, héritiers d'une civilisation grandiose, d'un grand pays prospère, d'une haute renommée étincelante comme le diamant, tombé dans une terrifiante déchéance au cours des deux dernières décennies, où nous avons traversé des désastres très regrettables, désormais réveillés, redressés, fermement réconciliés pour renforcer la garantie des droits de l'homme et le respect des lois, nous écrivons et suivons le texte. And precious sovereignty and the fine. Bien, monsieur, c'est sur cette fine pointe de diamant que je garderai en tête. C'est cette image que je garderai en tête. Pas la pointe de la torture, celle de la Renaissance. Sharp point of torture, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie en tout cas, monsieur le Président, madame, messieurs les juges, de nous avoir permis d'exister. Je passe la parole à Maître Jacquin. Cela demandera quelques instants de mise en place, puisque Maître Sovanari va... Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame et Messieurs les juges. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter toutes mes salutations. Par ailleurs, et c'est vrai que c'est avec une grande émotion qu'on prend aujourd'hui la parole devant vous dans l'intérêt des parties civiles victimes des agissements de Monsieur Dutch, qui est aujourd'hui prévenu devant votre juridiction. La tâche est en effet difficile pour nous aujourd'hui d'évoquer la mémoire, la vie, les souffrances qui ont été celles vécues par les parties civiles à S21. Simone Veil, ministre de la République française, qui a connu à 17 ans les camps nazis de concentration, a dit à son retour : nous revenions d'un monde où on voulait nous bannir de l'humanité. Nous voulions le dire, mais nous nous sommes heurtés à l'incrédulité, à l'indifférence des autres. We wanted to tell of this, ce n'est que des années après que nous avons trouvé le courage de parler, car nous avons enfin été écoutés. Et je crois que l'incrédulité, l'indifférence, le courage de parler, c'est autant d'éléments qui ont été fondamentaux pour les parties civiles dans cette procédure. Il a fallu un certain temps au Cambodge, comme dans les autres pays qui ont connu des drames assimilables, puisque les bureaux étaient toujours présents, que c'était souvent le voisin, que c'était parfois celui que l'on croisait dans le village, pour que les victimes de l'horreur aient le courage de parler. Et il fallait qu'ils en aient le courage en sachant qu'ils allaient rencontrer à tout moment ceux qu'ils mettaient en cause dans des faits injustifiables, inqualifiables, et qui les regardaient toujours avec leur conscience, leur bonne conscience, leur mauvaise conscience, eux seuls peuvent en être juges. Aussi aujourd'hui, le premier rôle des parties civiles, notre première tâche, c'est de parler. Et d'ailleurs, quand on arrive à une certaine distance entre d'un côté les fils et les filles des martyrs et que de l'autre côté, un certain nombre de gens d'une population veulent oublier ou faire oublier ce qu'ils ont été, je crois que la première chose et la première importance, c'est la parole. Et vous, Monsieur Dutch, je crois que vous êtes dans cette deuxième catégorie. Ceux qui voudraient oublier ce qu'ils ont été. Those who wish to forget who they were. François Bizot a écrit François Bizot wrote,
Obéir à la terreur, mais avec tant d'obscurité et de silence que je me demandais s'il lui a jamais été donné d'estimer le pouvoir atroce dont il est devenu dépositaire. François Bizot parlait de vous. Il a été le premier à avoir des propos pour dire qu'il y avait aussi une certaine humanité qu'il ne fallait pas ignorer. Mais il a eu conscience du fait qu'à un moment donné, vous étiez devenu dépositaire d'une arme de mort. Il s'est posé la question de savoir si vous en avez pris conscience. Vous avez accompli mécaniquement, juste à l'extrême, les directives impersonnelles et absolues qui vous étaient communiquées par l'Ankara. Selon vous, le bouddhisme allait abrutir le paysan et l'Ankara allait le glorifier. Allait les reconstruire sur eux la prospérité du pays. Mais pour ce faire, il fallait débarrasser tout le pays de la vermine qui peut représenter la réflexion, le libérer des lâches ou le libérer des traîtres. Aujourd'hui, c'est au nom de ces traîtres, c'est au nom de ces lâches, c'est au nom de ceux qui ont été considérés comme cette vermine, c'est au nom de ces spectres qui, avant de mourir, sont passés devant vous, que nous souhaitons prendre la parole. C'est une parole dont ils ont été privés à jamais, et qui a laissé leurs fils et leurs filles se heurter pendant longtemps à l'incrédulité ou à l'indifférence. Et même aujourd'hui, l'incrédulité ou l'indifférence peuvent rapidement régner, et c'est peut-être une partie importante de ce procès de mettre fin de manière importante, de manière peu contestable à une négation de ce qui a été la réalité d'un quotidien de la vie au Cambodge. Se constituer partie civile, ça a quelque chose de dérisoire, eu égard à la violence des souffrances des victimes. Et tout bien pesé quand on réfléchit, ces meurtres, ces tortures n'appartiennent pas au rythme du sacrifice, car il y a dans le sacrifice quelque chose de sacré. Ça n'a jamais été le cas des souffrances endurées par les victimes du régime de Khmer Rouge. Dans le dessein des auteurs de cet holocauste, il a été retenu l'idée de supprimer tous ceux qui, un jour, pourraient vouloir vérifier la mort de leurs parents. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une recherche de vengeance? Non. La seule recherche des parties civiles, c'est le fait de parler tant qu'il en est encore temps. Et c'est dans des situations aussi difficiles que, lorsqu'il y a des crises particulièrement sanguinaires, on rencontre des individus exceptionnels, on rencontre des individus qui restent des pacifiques, qui restent des clairvoyants, qui essaient de se soustraire de ce mécanisme destructeur. Malheureusement, M. Deutsch, vous n'en avez pas été. Comment peut-on situer cette tragédie du Cambodge parmi toutes celles du XXe siècle? L'horreur n'a pas besoin d'être diffusée pour être établie, mais quand elle est quantifiée, c'est déjà un début de compréhension, d'acceptation, même si au Cambodge, aucune catégorie de la population n'a été épargnée. Le pouvoir que vous avez détenu, M. Deutsch, a conduit les Cambodgiens au désespoir, et l'honneur de ce tribunal, c'est de tenter de lui rendre la mémoire et au moins de lui avoir donné la parole. Alors, est-ce qu'il faut chercher des excuses à tout ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est les 540 000 morts des bombes versées par les bombardiers de l'US Army? Est-ce qu'on peut dire que c'est le protectorat français qui s'est exercé sur le pays à partir de 1963? Qui a évité au Cambodge de connaître la guerre d'Indochine de 1946 à 1954. Il n'y a pas d'excuses historiques. On ne peut pas trouver des excuses ni dans les violences des puissances occidentales, ni dans la philosophie déformée qui est arrivée de ce même Occident. Au Kampuchea démocratique, M. Deutsch, et vous le savez, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait plus de poste, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de sport, il n'y avait pas de distraction. Il y avait un règlement. Il y avait 12 heures de travaux physiques, 2 heures pour se nourrir, 3 heures pour le repos et l'éducation, 7 heures pour le sommeil.
Il y avait l'encart qui décidait, et il y avait cet avenir, résumé en ces termes, te perdre n'est pas une perte, te conserver n'est d'aucune utilité. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui tout a été dit à ce procès ? Moi, je ne crois pas. Et on ne peut pas pour une autre raison, c'est que, en fait, cette révolution khmère, elle n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. In the history of humanity, alors, for what happened in Cambodia. Le but aujourd'hui, ou l'un des buts de ce tribunal, tout au moins pour les parties civiles, une des recherches, c'est que même 30 ans après, il a été donné la parole à ceux qui ne l'avaient pas eu et qui ne pouvaient pas l'avoir. 30 ans après, donner la parole à ceux qui n'avaient plus de parole. People who could not speak can now speak. De torturer, we are enabling ces filles de femmes éventrées, ce qu'on appelait ces enfants tortured, nés de l'horreur, de pouvoir enfin être écoutés. Are now et c'était pour eux, et c'est pour heard, eux, quelque chose d'essentiel. Monsieur Deutsch, vous Mr. nous regardez Deutsch, aujourd'hui, you look et at vous us nous dites, today, je suis un autre homme. And you tell us, I am vous dites another que man. Vous avez retrouvé une voix that you have dans found une religion a voice qui autorise le pardon. In a religion that accepts est-ce que le pardon a vraiment sa place ici? Is forgiveness really applicable here? Est-ce que les parties civiles peuvent en tant que telles pardonner ce qu'elles ont subi? Je ne sais pas. En tout état de cause, par contre, c'est important. Après 30 ans de silence, elles peuvent parler et elles peuvent écouter. Alors, par qui elles vont être écoutées? Peut-être par vous? Peut-être par la presse? Elles vont être écoutées par le tribunal? Elles vont peut-être être écoutées par l'Occident? Elles vont être écoutées par les Cambodgiens aussi? Ceux qui ont bonne conscience, et puis tous ceux qui ont aussi peut-être mauvaise conscience. Well. C'est difficile de le savoir. Nous ne le saurons sans doute pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles auront we pu parler sure, et qu'elles auront été écoutées. Aujourd'hui, je représente, et notre Today, groupe représente, 28 victimes qui sont elles-mêmes les représentantes symboliques des 12 000 ou des 16 000 victimes de S21. Et je voudrais, Monsieur le Président, prendre le temps rapidement et d'évoquer devant vous chacune de ces victimes, parce que pour elles, pour chacune d'entre elles, on a été en face d'une démarche courageuse et difficile. Il est important aujourd'hui pour ces parties civiles que ces victimes ne soient plus des gens anonymes, que ce soit à nouveau, rapidement évoqué, des hommes, des femmes, des enfants, avec un visage, avec un nom, une famille, une vie, un droit à la vie. Et nous pensons que ces vies, ces victimes doivent être le centre de la pensée de ce tribunal et ne pas la quitter. Car en définitive, la folie des individus, des hommes, individuelle ou collective, elle serait peut-être sans importance si, comme ça a été le cas, elle n'avait pas conduit des millions d'hommes et de femmes à perdre leur droit à la vie. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais que vous nous autorisiez à passer rapidement quelques photos des victimes. Non, non, les mains, on les a là-dessus. Tu me dis quand c'est OK. Monsieur le Président, à peu près 7 à 8 minutes. Monsieur le Président, à peu près 7 à 8 minutes. Encore une fois, combien de minutes ? 7 à 8 minutes, Monsieur le Président. Dis-lui. The president, the AV unit, could you please check to make sure that the voice is audiovisuel a vérifié le bon fonctionnement des micros.
Maître Jacquin, the president, now the chamber allows la chambre fait droit à such pictures to be projected, but make sure that you will be allowed to show the picture in your allocated time only. Veuillez respecter votre temps de parole. Merci, Monsieur le Président. Tu vas? Yes, Jacquin. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, tout d'abord, Mr. President, first of all, we have Mr. Kyon Sarim. Il s'est constitué partie civile pour la détention de son oncle, Monsieur Kyon Saruk. For the ce dernier of his travaillait uncle, à l'ambassade du Cambodge au Japon. In the Cambodian il est revenu embassy au Cambodge Japan, à la suite Cambodia. De l'appel du gouvernement. Il sera at the request of the interné, détenu et interned, exécuté à S21. Madame Meas Ket, Mesdames Tulong, Neva et Antonia, elles sont constituées partie civile pour leur fille et pour leur Antonia, sœur, to be joined as civil parties on account of their Tulong Rengsi daughter était une jeune femme sister, lumineuse, bien connue au Cambodge, she was well parce well qu'elle était la speakerine de la radio française. Because she was a speaker elle a été on French radio. She was arrested, CIA, accused of being a CIO. CIA agent Madame and executed in S21. Âgée, n'a Mrs. Mears, who is an elderly woman, never let go, Antonia abandoned her daughter. N'ont jamais oublié leur sœur. Antonia and Neva never et forgot enfants, their sister. Nefriska et Visaka n'ont and jamais her children, fait le deuil Nefriska de leur mère. And Visaka never mourned their mother. Monsieur Kimari, Mr. c'était Kimari le mari de Ramsi Tulong. Il est was également mort à S21. Et Nefriska et Visaka sont tous Nefinka les deux restés orphelins. Remained de orphans. Père et de mère. They had lost both their parents. Madame Shan Wang s'est constituée partie Chan civile pour son Wang oncle, Monsieur Sok. Bon. Monsieur Sok était maire de sa ville. He was the mayor of il a this été town. Arrêté, emprisonné à S21 et exécuté. Monsieur Lei Chan Mr. est venu témoigner des souffrances qu'il avait subies en étant détenu à S21. Detained in S21. Madame Noem Kim Ong a perdu Mrs. trois membres Noem de sa famille Kim à S21. Ses deux frères three étaient encore of des her enfants, family in S21. Noem Chan her two et Noem brothers, Kim et sa belle-sœur, Noem Chan and Madame Noem Dung Rom. Were still children, and she also lost her sister-in-law, Mrs. Dung Rom. Madame Fit, Monsieur Fit s'est Mr. constitué partie civile pour la disparition de ses amis. Monsieur Poi, Monsieur Yang et Monsieur Chun, qui ont tous été détenus et exécutés à S21. Monsieur Chat Kim Sun s'est constitué partie civile pour l'exécution de son père, Monsieur Han, ainsi que de son grand-père, Monsieur Han Sabine. Et à l'occasion de ce dossier, il a retrouvé and également le dossier de son grand-oncle, Monsieur Pot Moi, également exécuté. Who was also executed in S21. Madame Seksiek devait se Mrs. marier avec Monsieur Mok Chan. Le mariage n'aura jamais lieu puisque son fiancé est envoyé exécuté à S21. Madame Sosong s'est constituée partie civile pour l'exécution de son beau-frère Monsieur Mea Sun alias Tong Sung qui en fait l'élevait. Who was bringing her up. Madame Ulvong s'est constituée partie civile du fait de l'exécution de son frère, brother, Monsieur Ung Kaon. Mr. Ung Kaon was executed. Madame Chin Met Mrs. est venue témoigner devant vous de ses conditions de détention après ça. Elle en garde toujours des séquelles physiques she still et has the physical morales. Scars. Madame Soem Pov est constituée partie civile pour l'exécution de son frère, Nguyen Streng. Brother, Nguyen Streng. Madame Eiteshov est constituée partie civile pour son oncle, Monsieur Sos El, qui a été accusé d'intelligence avec l'ennemi et exécuté à S21. Madame Kang San est constituée partie civile pour son frère, qui était un soldat, qui était au front dans le district de Kokom. Madame Mansotea Mrs. Mansotea, Monsieur Mansotea, Mr. Mansotea s'est constitué partie civile pour l'exécution de sa mère, Madame Sem Loksim. Madame Sem Loksim, c'était l'ancienne secrétaire de l'ambassade du Cambodge aux Philippines. Elle a exprimé publiquement son désaccord sur le régime du Khmer Rouge. Elle a été immédiatement arrêtée et exécutée à S21. Monsieur Pokan s'est constitué partie civile pour la mort de sa femme et de son cousin, et également pour les séquelles de sa propre détention. And also for the scars Madame he bore after his own detention.
Elle s'est constituée pour la mort de son mari, M. Sean Cassette. On a évoqué plusieurs fois au cours des débats. Sean Cassette, who was mentioned on several occasions during the trial. Mr. Était député sous le régime de Lon Nol. Under the Lon Nol regime. Non, c'est constitué partie civile pour son joined nom, excusez-moi, président, qui est M. Uchim, qui était député sous le régime de Lon Nol. M. Uchim était enfant lorsque son père a été arrêté, il voulait le suivre. Il ne l'a pas suivi et il ne l'a plus jamais revu. Madame Lefebvre et Madame Hoopnary se sont constituées partie civile pour l'exécution de leur mari et de leur père, M. Houquet. M. était en France et il est rentré au Cambodge sur l'appel du gouvernement par amour de son pays. Il va être immédiatement arrêté et exécuté à S21. Madame Lefebvre et Madame Hoopnary n'ont jamais oublié leur mari et leur père, et leur souffrance est toujours aussi vive. Husband and father, and still Madame Mea Sarun from his loss. S'est constituée pour partie civile pour son père, M. Houptoun, qui était également un militaire et qui était dans le département du district de Rorbes-Ek. Il a été arrêté, emprisonné S21. Enfin, Madame Pan Pech a découvert que son beau-frère, M. Lon Ong, avait été également brother in law, Mr. Lon Ong, had also been detained and executed voici in S21. Mr. President, these are the 28 civil parties we represent. Je tiens toujours à rappeler le courage, car c'était difficile like to mention their courage, de se constituer partie civile. Because 2 years ago it was difficult to be joined Primo as a civil Levy, party in Cambodia. Primo Levi, a European writer who experienced the war and the Nazi extermination camps, who tried to understand and share his experience, said in his seminal work, which is entitled If It Were a Man, de faire passer l'expérience de ce que pouvaient vivre tous ces hommes et toutes ces femmes détenus et qui se savaient destinés à mourir. That it was difficult to understand the experience of the detained people. We say, imagine a man who is deprived of who he is, his house, his habits, his clothing, everything he possesses. He would be réduit a hollow man. À la souffrance he au is besoin. Reduced to suffering dénué and de need. Tout discernement. He is void of any judgment. Car il n'est pas rare he is oblivious perdu, of all dignity. Because he, a man who has lost everything may lose himself. De la vie ou de la mort, le such léger, a man's life or death can be decided light-heartedly si without tout any plus, human consideration. Except for the fact that he le may be found useful. The feeling of our existence depends largely on what other people aussi think of us. De so we can characterize as non-human vécu, the experience de qui a vécu des jours of those où who have experienced the time when human beings were objects in les the eyes of other existent. Human beings. Monsters exist, but they are too few to be really dangerous. Ceux qui sont plus dangereux, those who are most dangerous are the ordinary people, the functionaries, those who are ready to believe and obey without question. Monsieur Dutch, and Mr. Doig, perhaps nous you are one of those. Cet homme ordinaire, perhaps cet you are the ordinary man, this Marxist, former teacher, dévoué, this Marxist ce who bon was loyal, who was good at obeying orders, who was assiduous, qui pourra perdre toute humanité et oublier toute humanité des hommes, des femmes et des forget enfants the humanity dont il of men, avait la women, charge and children under his charge in S21. Dans une tentative de compréhension in de an ces attempt agissements, to understand le psychiatre Boris Cyrulnik a écrit très récemment, en septembre 2009, wrote in 2009 ces in September, hommes et ces femmes tuent these par men amour. And women dans leur bonheur de se soumettre à un chef vénéré, ils connaissent un moment d'extase qui descend de la routine engourdissante ou de l'humiliation sociale. Routine pour tuer and social en souriant, sans la moindre culpabilité, smiling, il guilt. Faut ne pas se mettre à la you place de l'autre, to not put ne pas se représenter ses souffrances, contenir son imagine empathie his suffering, pour ne understand partager the empathy, que les valeurs de son groupe. You have to contain your empathy c'est and pourquoi autant only group de gens values, bien élevés, d'agréables compagnons parmi ces incroyables assassins, pleasant people still ce n'est can ni dans la maladie mentale d'un individu, assassins. Ni dans le trouble familial qu'il faut chercher d'explication à ces meurtres de masse, c'est dans le bonheur de se soumettre à une folie culturelle. Pleasure nous risquons that they derive from submitting to popular madness. Et c'est peut-être ce qui effraiera le plus. Je citerai enfin une nouvelle fois François Bizot, lastly, I shall quote François Bizot again, qui est un témoin important de votre juridiction. Who is an important witness before this court, exposé and de said, mes ombres, vidé de ma mémoire, of my ghosts. Je refermais le portail. I have emptied my memory. La mort I closed était the gate. Si proche.
behind me. Que nous étions accoutumés à son haleine fétide, à sa figure hideuse et si familière, que personne n'en supportait l'omniprésence aux quatre coins de notre Nobody camp. Felt omnipresent comme eux, in our camp. Like j'avais apprivoisé like l'épouvante. I had become Alors, familiar with the horror. Qu'est-ce qu'on vous devait vous dire? So, L'Ankar vous félicite pour ses aveux si nécessaires au progrès chacun. Said? Did Ankar congratulate you for these confessions Duch, that were so vous necessary? Vous avez écouté les partis civils, Today celles you have heard the civil parties. Pas de voix autrefois. Those whom you did not give après, voice to before. 30 years later, have you now understood? I doubt it. Le I do not know. La seule démarche, la plus grande des partis civils aujourd'hui est celle de témoigner. Is de témoigner give pour que l'humanité entière to give reprenne leur flambeau so et demeurer pour beaucoup d'entre elles l'ultime de ces Cambodgiens, so de tous ceux qui ont aujourd'hui le courage d'être partis civils et d'intervenir dans ce premier procès. And be those who have had the courage to participate in this trial, survivors of genocide. Il a raconté comment errant dans la jungle, seul et affamé, described how he was in the il a jungle, voulu survivre he was alone pour and que le monde hungry. Sache comment un régime monstrueux avait froidement programmé la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, et comment le pays avait été plongé dans la préhistoire. La trace que les Khmer Rouge ont laissée en histoire est une trace faite de sang. The trace that et c'est ce sang the Khmer Rouge leaves is that of blood and victims. Témoigner pour les parties civiles un but suprême. Au nom de for the civil parties, giving testimony is the overriding goal. Hante, They want to talk about Monsieur the spectre that haunts them, aussi. And which I believe Il ne faut pas haunts you too. L'absence de jugement explicite des parties civiles pour un you should not take the absence of judgment of the civil parties as forgiveness. Non, Primo Levi je ne pardonnerai said, à aucun des no, coupables I will et not jamais, forgive ni any of the guilty parties, ni dans l'avenir. Either now je leur pardonnerai, or ever. À moins qu'il ne s'agisse de quelqu'un I will only forgive fait those à l'appui, et pas avec des mots ou trop tard, who, qu'il est aujourd'hui conscient des fautes et des erreurs passées, et qu'il est résolu à les condamner, à les extirper de sa propre conscience to excise them from his conscience and from the conscience of on the consciousness of others. What do you vous say, avez reconnu Mr. Doig? Au cours de ce procès, you have vous acknowledged avez reconnu during beaucoup de choses générales, mais things, vous avez aussi souvent, très but souvent, very contesté often les détails you have challenged et details, vous avez parfois contesté les and détails you have injustement. Often vous nous avez alors dit que vous contestiez car vous ne pouviez pas vous-même accepter ce qui s'était passé. Mais les partis civils avaient bien dû l'accepter. But the civil parties had Donner to la accept parole aux partis civils to give ce the floor to the civil parties before this court has enabled de ressusciter les morts et de leur them rendre la parole. To raise the dead again and to Alors give them je terminerai ma plaidoirie sur so quelques mots de Lévi-Strauss qui a dit a few words le respect by de l'homme par l'homme said, ne peut pas the respect trouver son of humanity fondement by humanity dans certaines dignités particulières in a particular que l'humanité s'attribuerait en that propre. Car humanity alors une faction de l'humanité pourra toujours décider qu'elle incarne ses dignités de manière plus éminente that que l'autre. They the dignity, or some l'homme, aspects of humanity commençant will decide par respecter that they toutes les formes de vie others, en dehors de la sienne, we should start by respecting se mettrait all à l'abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l'humanité même. If we do not do so, we will not respect the other forms of life in humanity itself. This is the heritage of this great thinker that we, as lawyers and judges, should never lose sight of, because nothing can ever justify one human being dominating another. Thank you. Counsel Motsavanari, Mr. President, Your Honours of the Trial Chamber, as a new generation, and on behalf of Civil Party Group 3, first of all, I would like to express my profound thanks to the Royal Government of Cambodia in conjunction with the United Nations for establishing this tribunal. Because of this very important interference influence that the Civil Party's voice are now heard and that their rights are acknowledged and they can take part to claim their reparations. I will be talking only about the reparations they deserve. According to the previous hearings, everyone has acknowledged without any denial that civil parties have suffered physically and mentally. The victims themselves have also acknowledged these sufferings. And everyone
chacun recognizes that this suffering has been inflicted onto them by the crimes at S21 under the supervision of the accused person. I would like to also tell the court that this kind of suffering still remains, although 30 years or so have passed and that the regime has collapsed, et même si le régime des Khmer time passes by, the suffering remains. Le temps passe, mais la souffrance reste. The civil party group 3 would like to express our support in relation to the legal grounds concerning the reparations and the motion dated on the 14th of September 2009, document E11/3, document correction E159. And we also support another document, document E159/3/1, the submission in relation to the reparation. And we also support other claims or requests for reparations raised by other civil party lawyers in their closing statements. We would like to note that this nation, these people, are in need of rehabilitation. They need effective medical care and treatment for the victims. The National Reconciliation or the restoration of the damages for those victims cannot be done without this court. And we believe that the court will bring this to the civil parties. And we would like to note that what the civil parties lawyer and the victims of our group would like is the justice. Justice needs to be done, and it has to be seen to be done. And by way of giving them, awarding them the reparations, it is a justifiable means to prove that justice is done and seen to be done. Reparations do not come in the form of apathy or sympathy or compassion, but it is the form that they deserve, the rights they entitle to get given. À certains droits reconnus. I would like to also pinpoint the effectiveness of how the reparations are implemented, and I would like to draw the trial chamber attention to some forms of reparations requested by the parties. First, the civil party lawyers group 3 support all forms of reparations as already entailed in other submissions by previous civil party lawyers. And we would like the chamber to also consider additional forms of reparations as follows. The civil party lawyer group 3 believe that an establishment of a voluntary fund or so-called trust fund is very important, and to make sure that such fund is genuine, we would like the trial chamber to first maintain or preserve the crime sites. Number two, to protect and maintain those sites because it was they were the places where victims were executed. And that civil party lawyer group 3 would like to maintain our strong position that those sites shall be maintained and preserved to commemorate the memories of those victims. And it is very important because the preservation of the sites is it's like the memory to tell to the younger generation to remember the crimes committed, and victims can go there to stand right in front of the memorials to cry out loud
se recueillir auprès des monuments commémoratifs qui sont érigés. Cela leur permet d'exprimer leur tristesse. Ces sites seront aussi autant d'endroits qui pourront peut-être we believe that the victims were not murderers. Réconforter les victimes and we believe that only them can really stop the miserable historical wheel to repeat its path. Le cycle and we would like the trial chamber to also first declare that all buildings and the locations of S21 or in Phnom Penh and at Presor are well maintained. And number two, all crime sites are to be preserved and the instruments of torture have to be maintained where they belong. On top of that, all documents at S21 regardless of the documents that have already been well displayed in the public have to be well preserved. Four, preserve all the documents and portraits, for example, those by Van Nat, the survivor of S21, and have those portraits exhibited and displayed at the S21. And we would like also the trial chamber to consider erecting the plaque or the board to commemorate the victims and to commemorate the forced labor. And on top of that, we would like the trial chamber to declare the preservation of the graves and pits at Chương Aik. And we would like also request for the building of the place where the displays of the tale of how order was executed by the accused. And we would like the trial chamber to order the nous souhaitons que la writing of the names of the victims at S21, the names from the list of the joint prisoners list of S21 from document E68. And we would like also a board where the names of the victims, unidentified victims, are displayed on the board. And that a pathway is left for victims to walk past the place to commemorate the souls of the victims, because it is the places where the last minute of the lives of their loved one ended, and that next, the civil party group 3 would like to request that the trial chamber order a trust fund for the benefit of the victims. The reason for this is that we would like to remind and draw your attention that after the case file is concluded, it finished. But the victims remain. They still have to struggle on to life for many years to come. And we have already learned that they have suffered a great deal and they are now facing their mental health and their poverty. Et également des problèmes de pauvreté. Moreover, during the 3 years, 20 days, durant les 8 ans, months, 20 days, rather, and after more than 30 years of the collapse of the regime, there has not been any tangible treatment or medical attention to the victims. And most importantly, the wrecked perpetrators have still enjoyed or had still enjoyed impunity, and that the trial process is really a venue for encouraging the victims to believe that justice is done and that they need medical treatment. They need their medical treatment so that they can really be cured from the
mental harm. Pour, and this fund, in particular, shall be established in a way that it is transparent, flexible, and independent in its mission. Next, I would like to also present to the Chamber in relation to the other matters that may arrive in relation to the implementation of the reparations. The question remains is, ainsi, who is going to implement such reparations, and when should such reparation be implemented, and when exactly should the trust fund be established? And there is another question also in relation to how the reparations are implemented, because the accused is considered to be indigent, and when the final judgment comes final, and if there is no ineffective implementation of the reparation, who is ready to solve this problem? So, to that effect, the civil party lawyers group 3 would like to request that in the final judgment, the trial chamber pinpoint who exactly is responsible for awarding the reparations. According to internal rule, rule 113.3, reads that the co-prosecutors may seek the assistance of the law enforcement authorities to ensure the execution of sentence. Here we have the victims unit, and the victim unit has the authority and can work for the interests of the victim. So this unit deserve the position to help the victims. So we would like the trial chamber to state in its final judgment the time period to execute the reparations. And we request that the sooner the better that the reparations are executed, especially it would be better if after 30 days when the judgment comes final, then the reparation comes into force. And we would like also that the committees for establishing the trust fund is established, and we would like the composition from the victim units to be part of the committee, and if the trial chamber finds that it is appropriate, that the victim units shall be allowed to be still functional to help maintain the reparations process, and that we would like the committee to be of the people who have good knowledge, and that the statutes of such committee is also Mr. Kompisai of Civil Party Group 2 already addressed this matter, and that we believe that the trial chamber can exercise its discretion on how they can find ways to award the reparations more effectively to the victims, and that the court can also declare the sources of the fund to be used for such reparations, and we also request that the assets of the accused is disclosed, and that we would like the trial chamber to declare that such asset be automatically be included in the trust fund, and we would like the trial chamber to set or order a provision so that it can be implemented more effectively regarding the reparations. And in relation to the same interest of civil party group 3, we welcome any kind of resolution. The trial chamber see important and beneficial to the implementation of the civil party reparations. So here we would like to present such voilà donc quels sont
statements to the trial chamber and on behalf of the civil party, I am very grateful to the trial chamber for your very considerate consideration concerning these reparations, and we believe that the reparations will be awarded more effectively. And finally, we are very grateful to the chamber for giving us the opportunity to address the court on behalf of the civil party lawyer group 3. I'm very grateful, Your Honor. Numéro 3 des parties civiles. Merci. Très bien. The President, civil party lawyers group 3 have already concluded their oral statement and they have really followed the allocated time set by the trial chamber. Since it is now appropriate time to take an adjournment, we will take the adjournment for 20 minutes and we resume at 5 past 3. Somme chaîne grand chœur. Veuillez vous lever.